Salut les amis, ici Bigouf, bienvenue dans une nouvelle vidéo de World of Tank Blitz. Aujourd'hui avec Olive061 Sniper, nous allons partir sur un char de type 4 avec le M8A1. Allez, t'es parti. Donc le M8A1 est un chasseur de chars à tourelle. Vous avez vu, je retiens bien quand même hein, les leçons. Hein, que... C'est vrai que je me plante, il y en a certains, ils sont vachement trompeurs. Hein, on m'avait déjà fait des commentaires là-dessus. Et là... Je ne me suis pas fait avoir. Je sais que ceux-là, ce sont des chasseurs de chars. Parce que c'est du fait de la nouvelle branche. Allez, Olive, aujourd'hui, tous les yeux sont portés sur toi. J'espère que tout va se passer comme sur des roulettes, bien sûr. Que le spectacle commence. Voilà, il tire. Allez, c'est parti. Voilà. Alors... Que va-t-il se passer? Voilà, alors ça c'est le problème. Alors par contre, c'est un petit peu embêtant. Alors. Ah, il ne bouge pas. Bon bah écoutez, je crois que hein, c'est... Ça y est, il est enfin parti. Eh bah dis donc, t'en as mis le temps mon grand. Ça y est, il a décollé. Je pensais qu'on allait jamais partir, mais bon. Allez, c'est parti là, il est chaud Garen. Alors. Hop là, eh ben, yeah. Ouh, oulala. Non, tu ne me vois pas, tu ne m'as pas vu. Ah la vache, il m'a mis une bonne douille. Allez, recharge vite. C'est bon. Oh, il y a le petit frère qui est là. Allez. Vite, marche arrière toute. Oh la vache. Oh, qui m'a mis cher. Hop, il y en a un au-dessus. Et voilà, malheureusement, je me suis fait avoir. Alors, maintenant, Olive, tout repose sur toi. Alors le problème qu'il a eu, c'est qu'il a mis quand même un petit moment avant de décoller. Bon, bah, c'est ça le problème. Et je pense que la partie va être quand même assez rapide maintenant. Et voilà, malheureusement, il s'est fait avoir par, bah, en plus par le même frère jumeau. Donc ça, c'est mon superbe char. Maintenant, nous allons suivre le A32. Donc là, le A32 est un véhicule de soutien et de repérage. Donc pour se faire une idée, après on a le Herzer qui est en mode sniper. Ah, le T40 qui est en difficulté. Ah, j'ai l'impression limite de faire comme un commentaire, comment on peut dire, un truc de foot là. Oh, malheureusement, il s'est fait avoir par le T40. Ah non, en plus je dis une connerie, c'était par le je sais même plus à force à commenter, moi je suis pas bon en commentateur, par le M8A1. Oh là, mais attendez, là-bas dans le fond, je vois le T46 qui est en difficulté. Et oui, par le T82. Ouh là là, mais il est soutenu par le A32. Eh, je le fais bien, non, pas... à des moments, je me sens que... Mais attention, il y a deux T82 qui arrivent à fond sur lui. Ouh là là, il est en difficulté, ça va être terrible pour lui. Et malheureusement, que va-t-il se passer? Oh là là, il s'est fait avoir. Quel dommage, le T82 l'a détruit. Mais le A32, riposte. Oh, c'est une magnifique bataille. Mais attention à lui, il y a le Herzer qui est derrière lui. Que va-t-il se passer? Suspense. Ah, alors attention, là ça s'est calmé. Nous avons le Herzer qui est toujours en mode sniper. Voilà, il attend. Le A32, alors ça c'est le mien forcément. Le A32 qui attend également. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils attendent, c'est un peu dommage, mais... Ah, attention, il a décidé de faire demi-tour. Mais il a le Herzer qui est en vue sur lui. Va lui mettre une douille. Et il a pris une douille. Oh, mais il l'a loupé. C'est magnifique. Par contre, lui, il se fait pas louper. Hein. Il se fait prendre en sandwich.
Oui, vous avez bien entendu, les amis, en sandwich. Ah, du coup, le Herzer a abandonné la capture de drapeau. Et voilà, le A32 s'est fait laminer. Le Herzer, toujours en mode sniper, vient de percuter le Herzer qui est en train de maintenant de capturer la base. Eh bien, écoutez, mes amis, ce... Le pire, c'est que... Attendez, je suis en train d'observer, mais... Ah, 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 le T32, il rigole bien, forcément. Et c'est vrai que là, le A32, n'a pas vraiment bien joué sur ce coup-là. Alors qu'en plus, il était vraiment bien parti. Le Herzer est à... Ou attend, il attend, tranquille, un peu peur. Il recule, il avance. Il bouge, mais vraiment tranquille. Surtout, Mandy, prends ton temps. Pas de souci. On a encore 1 minute 50 à t'observer. Dis-toi qu'on est pas mal de personnes à te regarder. Donc, par contre, dommage pour Olive. Hein, il n'a pas réussi à... il a mis du temps à décoller. Donc, un peu dommage quand même. Ça fait perdre du temps. Donc, ça, c'est un peu dommage. Alors, que va faire Mandy ? Mandy, hein, c'est ça, de 1980. Nicolas qui nous dit ok. Alors Mandy, que va-t-elle ou que va-t-il faire? Je sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, ça c'est la surprise. C'est la surprise, oui. Voilà mon char, est ouais, bien détruit. Ah oui, malheureusement. C'est mon jouet qui a été cassé par ces méchants. Alors je pense qu'ils doivent être tous les deux à la base, certainement. Voilà. Un Herzer, c'est bon. Comment vas-tu jouer? Il reste plus que 35 secondes à mon compteur. Oh super! Quel beau shoot! Mais attention, il y a le T82 qui est dans le coin aussi. Il est bien planqué. Mais attendez, il me semble qu'on voit... Ah, il est planqué sur sa droite. Mm-hmm. Oh, le suspense est à son maximal. Il ne reste plus que 10 secondes. Et je pense qu'il va essayer de... Il va essayer... Non. Allez. Vas-y, au moins. Magnifique. Voilà, super. Et malheureusement, voilà, la bataille se termine sur une égalité. Quel dommage. Et ben voilà, donc on va vous montrer quand même les scores d'équipe. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, sur cette égalité, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis, à la prochaine. Ciao !